m'appelle Christian Ingrao, je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai commis un petit livre avec un de mes très bons amis qui s'appelle Johan Chapoutot, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4. On vous présente aujourd'hui une petite biographie d'Hitler. C'est une petite biographie, au sens où vous pourrez, si le sujet vous intéresse, prendre des livres beaucoup plus gros, celui de Yann Kershaw qui doit faire 1000 pages, le nôtre en fait 200. Mais dans ce livre de 200 pages, dans cette petite biographie un peu enlevée, un peu improvisée aussi, nous avons décidé et essayé avec Johan Chapoutot d'adresser une proposition un peu nouvelle au public cultivé et au public historien et de faire une histoire qui serait une histoire compréhensive, une histoire qui essaye de s'intégrer aux critères des acteurs sociaux de l'époque que l'on est en train de viser. C'est-à-dire qu'au-delà d'Hitler, nous essayons de faire l'histoire d'une société de 80 millions de personnes, de faire l'histoire de ses rêves, de ses angoisses, de ses aspirations, de ce qu'elle vit, de la façon dont elle mange, mais aussi de la façon dont elle se bat. Parce que la guerre, notamment la Première Guerre mondiale, est une affaire très importante dans tout cela. Cela a été à la fois un nœud dans la vie du personnage que nous traitons, c'est-à-dire Adolf Hitler, mais aussi un nœud dans la vie de ces 65 millions d'Allemands qui l'ont vécu. Alors, nous ne sommes pas en train de raconter quelque chose de très nouveau, il n'en reste pas moins que la façon dont nous essayons de le faire est une façon qui est attentive à la fois aux conditions socio-économiques dans lesquelles les gens vivent, aux conditions dans lesquelles les hommes agencent l'histoire politique des pays qu'ils sont en train de faire, mais aussi, enfin, la façon dont ils vivent, dont ils rêvent, dont ils angoissent la vie, le présent et le futur. Cette histoire d'Hitler, nous l'avons donc conçue non point tant comme une biographie que comme comment je pourrais appeler ça, l'instantané deux historiens essayent de donner d'une société qui va connaître des évolutions qu'on pourrait appeler himalayennes, passant des hauteurs vertigineuses de ce qu'est l'Allemagne véliménienne et l'Empire austro-hongrois, l'Empire des deux couronnes, jusqu'au tréfonds des abysses avec ce qui va se passer en Allemagne entre 1919 et 1924. Le nazisme se présente alors, sous les couverts de ce qu'est son chef, Adolf Hitler, comme à la fois un système de désangoissement culturel qui va aider les Allemands à recommencer à penser qu'il y a un avenir et en même temps comme un système de refondation sociobiologique de la société, de la germanité. Ce système va conduire l'Europe à la guerre et cela on essaie de le montrer en quelques minutes et il s'agit ensuite de montrer deux événements extrêmement importants. Le premier c'est comment la guerre a refaçonné cette société allemande qui avait été conquise par le national-socialisme et en même temps comment cette guerre elle a saisi et martyrisé les sociétés européennes. En une soixantaine de pages, on essaie de vous montrer que pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé des choses qui font que le national-socialisme a constitué un élément déterminant de la fusion des groupes sociaux et des groupes ethniques et des groupes nationaux qui ont conduit à ce qu'est l'Europe d'aujourd'hui. On ne peut comprendre ce qu'est l'Europe des années 2000, 2005, 2010, sans avoir en tête le martyr qu'a vécu au sortir de l'occupation nazie les sociétés d'Europe de l'Est. C'est, je crois, l'héritage nazi que nous essayons d'expliquer et qui permettra peut-être de comprendre un peu mieux ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle.